Say what you wanna say, but some other time, girl, don't let us wait. With you in my life, would it be better now? Baby, just say what you wanna say. Say what you wanna say, but some other time, girl, don't let us wait. Salut, salut, bienvenue. Alors, comme vous pouvez le voir, le temps est dégueulasse, d'où la cape de pluie. Aujourd'hui, c'est entraînement pour le ski d'or. Je vais vous emmener à travers ce vlog dans mes aventures dans ce week-end de folie. Donc là, on est au Grand Mornant, comme vous pouvez le voir sur la casquette. On s'entraîne pour 2 jours de ski d'or à Serre-Chevalier. Comme j'ai plus de mes bâtons Leki, ils étaient complètement morts. Je suis allé en racheter pour pouvoir mettre des protèques dessus. Donc là, ils sont en train de les monter. Et moi, j'attends que la pluie passe. Même si là il pleut plus trop. Donc je vais aller mettre mes chaussures, puis on va monter s'entraîner. Est-ce que ça vous dit d'aller s'entraîner ? Ça n'a pas l'air de tourner les policiers, donc on n'est pas dans la mise. Tac, et puis c'est good, let's go baby. Bon les jeunes, le temps est vraiment dégueulasse. Je pense que vous l'entendez là sur les bruits de la pluie sur la voiture. Il s'est remis à pleuvoir, il y a eu un orage. Enfin l'orage est sûrement encore au-dessus de notre tête. Donc on attend qu'il passe, la station est fermée. Pas d'entraînement pour l'instant, mais je suis prêt quoi. Je suis avec tout mon matos sur la gueule. Je suis prêt à y aller quand on m'appelle. Et le ski d'or ça va être sport si jamais entraînement est annulé, je vous le préviens. Allez, à toutes les jeunes. Petit update météo, la rafale semble se calmer. Je pense que j'ai jamais fait un ski dehors sous le beau temps. Depuis que j'ai l'âge de faire le ski dehors, donc je crois que c'est 14-15 ans. Aujourd'hui j'en ai presque, enfin, j'en ai 22, presque 23. J'ai jamais vu le soleil au ski dehors. Comme ça qu'on voit encore qu'on est les meilleurs, dans les pires conditions. Pas de mauvaises conditions, il n'y a que des mauvais skieurs, c'est ça l'objectif. Oh, et puis tant qu'on est là à kiffer notre vie sous la pluie, je vais vite fait vous expliquer ce que c'est le ski d'or, en quoi ça consiste. C'est les championnats de France de l'école de ski français, mais tous les fils de moniteurs n'ont pas le droit de participer, et tous les locaux non plus. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas habiter en station pour faire une compétition qui laisse ses chances à tout le monde, tous les inscrits à l'ESF en fait. Donc quand je dirais championnat de France, c'est pas que je prends la grosse tête, c'est juste que c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est l'école du ski français, c'est pas avec les ski clubs et tous les gens qui prétendent à être pro. Je suis personne par rapport à eux, j'ai vraiment pas leur niveau. Le ski d'or, c'est une compétition qui, moi, me tient à cœur. L'idée, c'est de se mesurer à ce qu'il fait de mieux à l'ESF. Cette année, j'ai pas fait beaucoup de slalom, mais ça va quand même être fun. On s'en repart. C'est bon, on va pouvoir aller s'entraîner, les gars. Oh, mais là, les gars. Les gars, c'est le kiff, là. Il y a une goutte d'eau. Attends. Ah. C'est une technique ancestrale. Oh, c'est chaud. Là, ils nous ont dit de remonter sur les télésièges, genre tout était bon. À peine on monte dessus, premier pylône, énorme éclair. Orage dans la seconde, oh là là. Ils arrêtent le télésiège alors qu'il y a de l'orage juste au-dessus de nous, genre bougez-vous, moi j'ai pas envie de clapser sur un putain de pylône. Oh le délire. Là, c'est l'entraînement de la guerre, là. Tout ça pour aller faire 4 virages dans de la neige molle. Excellent. Regardez mes beaux skis. Pfiouh, ils ressortent bien sur rien du tout. Putain, y a pas beaucoup de neige. Hein. Oh, ça va être bon, ça va être bon. Bon, bah, il a arrêté de pleuvoir, mais la station est définitivement fermée. On aura essayé, c'est l'essentiel. C'est vrai que le coup de tonnerre et l'éclair juste au-dessus de la tronche quand on monte sur le télésiège, la station a pas kiffé, donc entraînement annulé. Mais du coup, là, c'est cool, on est avec coach Alexis en train de faire les skis dans le local ESF. Je vais vous filmer ça, c'est assez stylé comment on fait pour préparer des skis pour une compétition. Là, je vais juste changer de chaussures parce que du coup, c'est rien que je reste avec mes sabots. Bientôt, on se referme. Et c'est là que je finirai ma vie. Oh, bien. Il y a du travail, non? Non. Ah, il est bien fait? Il va pas y avoir grand boulot. Ah, donc ils étaient bien faits. T'as dit qu'ils étaient ronds, mais ils étaient bien faits. Ça manque une bricole. Ah oui, là, t'es sur les... C'est les techniques de la rue, là. Diego. Ça fonctionne. Ah, je te repasse mon ski carrément après. Ouais, attends. Moi, je vous parle. Je veux pas de pli. Hein.
Là, on est arrivé à l'appart, donc on rattrape notre épisode de Koh-Lanta de mardi. On va regarder Koh-Lanta avec des pop-corn. T'es moi la taille du pont. Excellent. Et dodo tôt, il est déjà 20h36. On réveille tôt. C'est rendez-vous avant 7h au télésiège. Je voulais juste regarder mon dossard. Alors, moi, je suis junior senior. Oh putain. Je suis 62e sur 70. Bon, l'avantage, c'est que la deuxième manche, je serai dossard 8, mais ouais, 62e. Bon, la première manche, l'objectif, du coup, ça va être de terminer, de réussir à se classer un peu. Et puis, la deuxième manche, on pourra jouer quelque chose avec le dossard 8. C'est clair qu'en première manche, surtout qu'on passe après les AD, qui sont déjà une bonne centaine. Donc, au final, ouais, je suis genre dossard 200, en neige molle de Pâques. Ça va être la guerre, mais bon, je pense que ça va être la même guerre pour tout le monde. Bonne soirée à vous, à demain. Alors là, je suis dehors. Il est 6h45 environ. J'ai que mes bâtons. J'ai pas encore mes skis parce que c'est un des parents qui me les a pris gentiment pour retirer le phare de la semaine hier soir. Normalement, il me les apporte maintenant. J'espère. Programme de la journée. Voilà, il est 6h45. Rendez-vous 7h en bas du télésiège. En bas, on va attendre que tout le groupe du Grand Marnon arrive. Puis monter, faire les reconnaissances. Moi, je suis sur le stade numéro 5, donc c'est un stade assez loin. Une fois qu'on a fait les recos, les cadets vont partir sur mon tracé. Et moi, je partirai après eux. Bah, ma première manche, je vais être vers 10h, surtout que j'ai le dossard 62. Souhaitez-moi bonne chance. Mais frère, la double là, moi elle m'en veut un enfer. Hein. Je crois elle envoie tout le monde. Tu vas mettre un gros travers. Ouais, ouais. Elle envoie tout le monde en enfer, je crois. Elle part tout droit dans le raid comme ça là, c'est fini. Hein. Mais on va échapper le groupe à partir en fait, parce qu'il y en a plusieurs à l'une partie. On va faire pareil. Ouais, on va faire pareil. Si après tu restes haut et que tu lances bien ton plat, je pense pas que ça se joue sur la double là quoi. Je pense que ça joue sur la banane qui est là. Et là ça remonte en plus. Ouais, c'est ça, là tu prends bien la vitesse. C'est pas là que vous allez gagner du temps, donc là vous pouvez en perdre beaucoup, mais c'est pas là que vous allez en gagner. Donc, après cette banane, on essaye d'aller chercher loin, on sait qu'il y a deux portes qui tournent encore un peu. Et sur le plat, là on commence à lâcher un petit peu dessus. Triple pour essayer de prendre un petit peu de gaz. Derrière, ça tourne encore un petit peu, mais ça tourne pas trop non plus. Donc vraiment, cette triple, elle va vous servir à prendre de la vitesse. Donc, servez-vous-en. Reco terminé les jeunes, je vais faire le petit pipi du stress. Ma catégorie vient de s'élancer. Le départ est juste derrière là, dans mon petit spot pipi. Là j'attends que ce soit à moi, je suis dossard 62, donc j'ai une bonne demi-heure, voire plus à attendre. Les passages se font en 40 secondes. On va commencer à s'échauffer, tout ça, puis ça va être à mon tour. Hein. Le tracé a l'air d'être sympa, ça va être cool. C'est moi du futur, je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de filmer le tableau des résultats de la première manche. Bon, vous l'avez senti, la première manche, je suis parti un peu fébrile. C'était pas sous grosse confiance, donc j'ai fini assez loin. Je suis 25e à 4 secondes et 9 dixièmes, ce qui est énorme. Mais on va faire mieux en deuxième manche, c'est parti. Ah, 62, je veux voir ce que ça donne. Moi, j'ai mis 100 euros sur le 62. Hein. Pareil. T'as de l'argent à perdre. Le 62, en bas. Faut que je me refasse, là. En bas et dans le top 10. Okay, hein. Allez, allez, allez. Oh, ça met trop mal. C'est parti, le 61. Et...
Bien meilleure manche. Je finis à 3 secondes 15 de la gagne, ce qui me place à la 19e position sur cette manche. Et au total des deux manches, je finis 19e également. Bien trop loin pour espérer une qualification en parallèle, mais ça reste correct pour quelqu'un qui n'a pas fait de slalom de la saison. Place à la Coupe des partenaires demain, mais là, c'est le défilé des ESF. C'est pas très rassurant, moi, je trouve que c'est quand même... Retour à la maison, on va dormir. Putain, mais ça donne trop envie, là, la peur dans les... T'as pas les bons skis. Ouais, là, j'aurais peur d'imiter, mais... Passer entre les arbres comme ça, là, je sais pas, une bonne idée. Sympa, non, beau domaine, hein. Beau temps, beau domaine. Ah, je sors d'une petite sieste qui m'a remis les idées en place. La sieste étant terminée, c'est l'heure d'aller au défilé des ESF. Donc, je vais me munir de ma belle cloche. Une belle cloche à vache. Et faire un max de bruit dans... les rues de Serre-Chevalier. Faut que je rejoigne mes collègues, je sais pas où ils sont, mais je vais les reprendre sur la route parce que je suis un peu à la bourre. Donc voilà, je vais vous filmer le défilé. Ça début du jour 2, l'équipe, ça va être un temps de rêve pour cette coupe des partenaires, étant donné que je me suis pas qualifié au parallèle. Pour les parallèles, fallait être dans les deux premiers de la première manche ou les deux premiers de la deuxième, ou alors quatre premiers au total des deux manches. C'est pas mon cas, j'ai été très mauvais en slalom. Les vidéos parlent d'elles-mêmes, c'était vraiment pas glorieux. Un beau contre-jour, on voit bien le ciel bleu derrière qui se lève. Ça va être une journée magnifique. Et en géant, j'ai plus de chance. Toujours pas d'entraînement, mais plus de chance naturelle, disons. Hier soir, on s'est mangé une énorme raclette. Je suis plus lourd que jamais, là, pour pouvoir envoyer patate dans les portes. Ça va dépoter aujourd'hui. Donc deux manches sprint parce que les stats sont très courts. Donc ils ont décidé de faire deux manches par dossard 2. Très bon dossard pour la première. On va voir ce que ça donne pour la deuxième. Mais dans tous les cas, on passe après tous les cadets. Donc dossard 2, ça équivaut quand même au dossard 80 et quelques. Là, on va monter avec les coachs si jamais ils sont venus faire la reco. Et puis après, c'est parti. On lance les échauffements et le festival. Fin des deux manches, l'équipe. Salut ma randonneuse préférée. Fin des deux petites manches de la Coupe des partenaires. Sous un soleil magnifique. Un soleil et des résultats plutôt plaisants. J'ai fait 8e en première manche et 8e en deuxième manche. Donc au total des deux manches, je suis 8e. Pas mal. Et je serai appelé tout à l'heure à monter sur le podium pour prendre mes récompenses. Je ne sais pas encore ce que j'aurai. Et on joue évidemment le tirage au sort. Le tirage au sort parce que j'ai gagné 2 années de suite une paire de skis au tirage au sort. Jamais 203, on verra bien ce que ça donne, mais on y croit. Ça y est, c'est la fin de la saison. Après un ski d'or sous le soleil, un slalom où on a retenu qu'il fallait que je fasse plus d'entraînement de slalom, et un géant dont je suis plutôt content. J'aurais pu un peu plus lâcher les chevaux en seconde manche, mais ça reste correct. Et je repars avec un petit sac de chaussures au Rossignol. Malheureusement, je gagne pas le tirage au sort pour la 3e année consécutive, mais c'est pas grave, on fait avec. 2 années de suite, c'est déjà bien. L'année prochaine, on va aller gagner les skis sans tirage au sort au parallèle.
Merci à tous. Ah non, ça va vibrer. Merci à tous d'avoir suivi ce premier long format sur la chaîne. Ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous et de parler de ma passion. La saison ski se terminant, on va passer sur du vélo et mes entraînements pour réussir l'étape du Tour le 9 juillet, qui est un très très gros challenge, mais je vous en dirai plus dans les prochains épisodes. Bisous !